Listen. Mesdames, Messieurs, à l'instant même, le point de presse. C'est 1, 2, 3, et c'est 1, 2, et c'est 1, 2, 3, 1, 2, et c'est micro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est 1, 2, 3, et c'est 1, et c'est micro, 1, 2, 3, et c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est micro, 1, 2, 3, 1, 2, et. Et c'est 1, 2, 3, et c'est 1, 2, et c'est 1, 2, 3, 1. Et c'est 1, 2, 3, 1. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, pour le point presse, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos portables ou les mettre en mode silence pour plus de sérénité. Merci.
Merci de faire silence, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, vous imaginez tous ici présents le bonheur qui est le mien d'être de retour au pays, à la maison. Oui, cela fait 2 mois, depuis le 2 mai dernier, que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi, avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Monsieur le Président de la République, pendant ces 2 mois, matin et soir, vous m'avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays et échanger sur un certain nombre de points. Comme ça, vous avez pu me parler souvent de la question du Covid. J'ai pu suivre la question de l'attaque terroriste. Et je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, comme je n'étais pas là ce matin, m'incliner donc devant la mémoire de nos valeureux donc, soldats. Donc mort donc, pour la patrie et à qui vous avez rendu l'hommage de la nation donc, ce matin. Monsieur le Président, j'ai suivi les inondations, vous en avez parlé, vous avez même donné des instructions. Il y a 2 conseils de ministres. Avec les membres du gouvernement, nous nous attellerons donc à mettre en œuvre les instructions que vous avez données, puisque ça a été très clair, plus jamais d'inondation donc en Côte d'Ivoire. Et chacun doit prendre donc, sa part de responsabilité. Monsieur le Président de la République, on va parler d'économie. Oui, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels m'ont apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser donc cette période. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous avez été une interface entre ma mère et toute la famille et moi pour les rassurer au fur et à mesure, leur donner les nouvelles au fur et à mesure. Merci, Monsieur le Président, pour avoir également joué le rôle de chef de la famille. Je voudrais saluer donc la Première Dame, que j'ai eu le plaisir
l'honneur et qui m'a procuré beaucoup de joie en me rendant 2 visites pendant mon séjour donc à Paris. Voilà la première dame. Merci. Là aussi, je me souviens de tous les mots de réconfort. Je vais trahir un secret, parce que quelquefois, je n'arrive pas à garder tous les secrets. Vous avez dit, Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort. Au nom donc de toute la famille, en mon nom personnel, à ces tous-là, mes frères et sœurs, ma mère, au nom de toute la famille, et vous savez qu'elle est grande, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces 2 donc, derniers mois. Monsieur le Président, merci, merci, merci. Et je vous demande de dire merci au Président. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais également saluer tous les membres du gouvernement qui ont été donc à la tâche. Et de loin, avec les échanges que j'avais avec vous, mais avec le ministre d'État qui assurait donc mon intérim, j'ai pu voir comment le gouvernement est resté donc à la tâche. Et je voudrais donc, en votre nom également, féliciter le ministre d'État qui a assuré mon intérim pour l'efficacité avec laquelle il l'a assumé. Merci beaucoup, Ambak. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même donc à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. Je voudrais saluer en particulier les artistes et toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de quelque niveau que ce soit. Et j'ai été touché. Tantôt, c'était des messages vidéo. Tantôt, c'était des enregistrements audio. Tantôt, c'était des SMS, des mails. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci encore une fois à tous. Monsieur le Président, merci. Que Dieu vous bénisse.
merci pour tout. Merci pour tout. Donc on veut aussi à la maison. Oui, on va ensemble. Ah.